Eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau cycle de conférences Midi by Giant. Avant de démarrer, une petite annonce pour nos amis chercheurs du site qui souhaitent faire venir des étudiants internationaux dans leur laboratoire pour des stages de recherche. L'équipe Giant, comme chaque année, organise donc le Giant International Internship Programme. Donc, un programme qui facilite le recrutement d'étudiants internationaux. On vous assiste sur tout l'administratif, le logement des étudiants à Grenoble. On a un seul contact, c'est Floriane Marcuccini qui est là. Donc, n'hésitez pas à venir la voir pour plus de détails. Merci. Alors, il s'agit aujourd'hui d'un Midi by Giant un peu spécial, puisqu'il est intégré dans le grand événement national annuel qui est la Fête de la Science, et dont la thématique nationale justement de cette année est « Océan des savoirs ». Depuis 2007, sur le site de Minatech, où vous êtes ici, nous organisons un village des sciences qui s'appelle le Parvis des sciences, et qui est un des événements phares, je dois le dire, de tout le partenariat du campus d'Innovation Giant, et où des étudiants, des chercheurs, des ingénieurs, des post-docs, des doctorants, des industriels même, viennent tenir des stands et animent leurs stands donc, sur leurs travaux de recherche et dans un peu toutes les disciplines du campus. Donc cette semaine, depuis mardi, on a accueilli 630 élèves de primaire, 530 élèves de lycée. Et du reste, je tiens à remercier tout particulièrement les élèves du lycée de Valence qui nous font l'honneur d'être avec nous dans l'amphi aujourd'hui. Un petit hola. Merci. Bravo, merci. Voilà. Demain samedi, c'est la porte ouverte. Hein. Nous accueillons le grand public de 10h à 18h. On attend 1500 personnes, donc bien sûr, vous êtes tous les bienvenus. Alors, pour en revenir à notre conférence d'aujourd'hui, en lien avec le thème donc l'océan des savoirs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Johan Dessel, biologiste marin au CNRS. Johan dirige l'équipe Photosymbiose au laboratoire de physiologie cellulaire et végétale. Il a réalisé sa thèse de doctorat à Sorbonne Université, plus précisément à la station marine de Roscoff en 2012. Durant cette période, il s'est engagé dans l'expédition Tara Océan, dont vous avez peut-être entendu parler, contribuant aux missions en Méditerranée et dans le Pacifique. Après l'obtention de son doctorat, il a effectué un post-doctorat en Allemagne, où il a développé son expertise ici en imagerie haute résolution. En 2018, Johan a rejoint le laboratoire de physiologie cellulaire et végétale LPCV à Grenoble, où il continue ses recherches en biologie et en imagerie scientifique. Récemment, il a également participé à l'expédition TREC, qui explore de nouveaux horizons scientifiques à travers le monde et dont il va nous parler aujourd'hui à l'occasion de cette conférence sur la mission TREC et l'exploration du plancton marin. Je laisse donc la parole à Johan et vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'équipe Giant d'avoir organisé cet événement. C'est un plaisir d'être là parmi vous durant cette fête de la science avec un beau thème, Océan de savoir. Donc ici, aujourd'hui, je vais essayer de partager un peu notre savoir sur l'océan et surtout sur le plancton marin. C'est des organismes microscopiques peut-être insignifiants pour vous et surtout sur cette mission TREC dans une deuxième partie de l'exposé. Alors je pense que le plancton marin, c'est important qu'on s'attarde un petit peu sur la définition de ce plancton. C'est des organismes majoritairement unicellulaires, microscopiques. Pourtant, on a tous été en contact plus ou moins avec le plancton. Je suis sûr que certains d'entre vous ont bu la tasse, ou alors même mangé du poisson, des coquillages qui se nourrissent de plancton. Et puis aussi, ce plancton nous fournit aussi beaucoup d'oxygène. Une respiration sur deux vient de ce plancton. Donc c'est des organismes, on va voir, très mystérieux, hein, il reste énormément de mystères encore à dévoiler.
Dans cet océan dont on est assez familier, c'est un réservoir de biodiversité assez énorme. Ça représente 70% de la surface de la Terre, une profondeur moyenne de 4 km, donc c'est quand même un réservoir assez énorme. Et puis, voilà, on connaît les poissons, les baleines, etc., qui se nourrissent de plancton. Toute la chaîne alimentaire est basée sur ce plancton, ces micro-organismes, qui étaient jusqu'à très tard, en fait, assez inconnus pour l'homme. Jusqu'à l'avènement des premiers microscopes au 19e siècle, et notamment cette première expédition, le Challenger, menée par la Royal Society en Angleterre. À l'époque, après plusieurs centaines d'années de navigation, les expéditions Cook, etc., de Bougainville, on connaissait très très peu sur la vie marine et notamment la vie microscopique. Et à l'origine, même il y avait une théorie comme quoi à 100 mètres, 200 mètres de profondeur, il n'y avait plus du tout de vie. Pourtant, les pêcheurs ramenaient des organismes, les câbles télégraphiques, il y avait aussi des organismes accrochés sur ces câbles. Donc voilà, c'était la motivation majeure de cette expédition, c'est d'aller mieux comprendre un petit peu ces organismes, surtout dans les profondeurs. Alors ils ont adapté voilà, des cabines à l'époque en vrai laboratoire. Ils avaient des instruments, comme ici les filets à plancton, pour justement collecter différents organismes, et aussi des bouteilles pour collecter de l'eau et mesurer la salinité, la température, etc. Donc c'était vraiment la première expédition planétaire, c'est un tour du monde en 3 ans, avec des collectes systématiques, notamment de plancton. Comme toute expédition, c'est beaucoup de collectes. Et après, une fois sur Terre, ils ont travaillé avec des naturalistes en Europe, spécialistes de différents groupes, hein, les étoiles de mer, etc., et aussi de certains planctons, comme ici Ernst Haeckel, c'est un naturaliste allemand au 19e siècle, qui avait du temps, comme beaucoup de chercheurs à l'époque, et qui avait aussi un talent pour dessiner et observer les planctons, dont on voit aussi certaines formes. Donc il avait un microscope très simple, hein, à l'époque, c'était au 19e siècle, et il arrivait quand même à voir des organismes qui font moins d'un millimètre et dessiner des détails assez incroyables. On va revenir là sur cette petite structure jaune qu'on voit. Donc déjà, on voit la complexité de ces organismes du plancton. Donc voilà, il y a eu beaucoup de volumes qui ont été produits, dont pas mal de volumes sur le plancton. Alors revenons maintenant au plancton. Je vous ai dit, c'est un peuple qui reste invisible à l'œil nu, hein, des organismes microscopiques, mais ils sont très nombreux. On a des nouveaux appareils maintenant pour permettre de quantifier, de mesurer, de compter ces organismes dans l'environnement. Si vous prenez 1 litre d'eau de mer, par exemple, ce qu'on peut en moyenne dans les océans, on peut compter à peu près 10 à 100 milliards de virus. Donc il y a énormément de virus dans l'eau de mer, on reviendra plus tard, qui ont un rôle très important dans l'écosystème, qui ont une image plutôt négative pour nous, surtout en ce moment. Il y a à peu près 1 à 10 milliards de bactéries qui sont très importants aussi, hein, surtout une source de nourriture pour d'autres planctons, et puis des centaines de millions d'eucaryotes unicellulaires, on reviendra sur ce terme. C'est un terme important, ce serait intéressant de le retenir, c'est protiste, peut-être anciennement on a appelé ça protozoaire, mais ces eucaryotes unicellulaires, donc c'est des organismes constitués d'une seule cellule avec un noyau, qui sont très très importants et très divers dans le plancton marin. Et puis on retrouve aussi les animaux, on verra tout à l'heure, qui comprennent aussi beaucoup de larves, les premiers stades de vie de beaucoup d'organismes. Alors à cette échelle, il faut s'imaginer, donc le plancton, la définition, hein, je pense que c'est important, c'est tout ce qui dérive avec les courants. Donc c'est principalement microscopique, mais il ne faut pas s'imaginer une espèce de soupe homogène où les organismes se font trimballer, etc. C'est assez structuré. Il faut savoir qu'à cette échelle de microscale, il faut s'imaginer un monde très visqueux. Ces organismes qui évoluent comme si nous, on évoluait dans une piscine de miel. C'est vraiment très, très visqueux. Et on voit un petit peu, si on fait un zoom sur une petite goutte d'eau de mer, par exemple. Bon, le pointeur ne marche pas trop, mais vous voyez qu'il y a énormément d'interactions. Hein. C'est très structuré. Il y a des organismes qui émettent des molécules, qui attirent d'autres organismes. Voilà, on voit ce copépote, cette petite crevette qui fait ses besoins et qui, du coup, attire énormément d'autres organismes. Donc, il faut s'imaginer un monde très dynamique en interaction et pas homogène, complètement aléatoire. Un truc très important aussi à garder à l'esprit, c'est que ce plancton est très divers, mais aussi en termes de taille.
Et ça, c'est aussi important au niveau de sa collecte. Donc, on a dit qu'il y a beaucoup de virus. Hein, donc là, on est à moins de 1 micron. Donc, 1 micron, c'est 1 millième de millimètre. Hein, vous prenez vos règles, pour ceux qui ont encore des règles. La première graduation, c'est 1 millimètre. Et vous divisez en 1000 cette première graduation pour arriver à 1 micron. Donc, vous voyez que c'est des organismes très petits. On a les bactéries ici, hein, donc avec une échelle de taille jusqu'à des grandes bactéries. Et puis, on retrouve ces protistes, hein, ces eucaryotes unicellulaires, qui peuvent aussi avoir des tailles entre 10 microns jusqu'à 1 millimètre. Et puis après, on a les métazoaires, hein, ou les animaux. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, qui comprend aussi donc le krill, par exemple, qu'on connaît bien, la nourriture des baleines, et puis aussi tous les stades larvaires, les premiers stades juvéniles, des coquillages, des poissons, etc., toute cette vie marine qu'on connaît. Et puis, on inclut aussi les méduses dans le plancton, même si, effectivement, ce n'est pas microscopique, mais on considère que ça dérive avec les océans, donc voilà, c'est un peu les limites de la définition du plancton. Je voudrais m'attarder sur des organismes importants, donc ces protistes, ces eucaryotes unicellulaires. Parmi ces protistes, eh bien, on trouve les microalgues ou alors phytoplancton, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, c'est des organismes particuliers puisqu'ils ont une structure appelée le chloroplaste, comme les plantes, comme les arbres. C'est une structure à l'intérieur, donc le chloroplaste, qui va être capable de fabriquer de l'énergie grâce au soleil, ce qu'on appelle la photosynthèse. Ils ont un pigment particulier, hein, ce qui fait que beaucoup sont verts, comme les feuilles. Ils vont réussir à capter l'énergie du soleil et fabriquer de l'énergie, donc des sucres, et puis aussi, grâce à ce phénomène de photosynthèse, on va revenir, ils vont capter le dioxyde de carbone, ce gaz à effet de serre, qu'on relargue quand on respire, hein, ce dioxyde de carbone, et produire de l'oxygène. Donc c'est l'effet inverse de la respiration, c'est-à-dire que ce chloroplaste va puiser du dioxyde de carbone et dégager de l'oxygène. Donc ça, c'est super important, puisqu'on va voir, à l'échelle planétaire, c'est un rôle sur le climat. Là, vous voyez un arbre des eucaryotes, donc c'est à peu près tous les organismes, presque du vivant, à part les bactéries et d'autres organismes bizarres. C'est juste pour vous montrer, c'est des organismes qui ont évolué depuis des centaines de millions d'années. Donc c'est des organismes dont on ne connaît pas les gènes, parfois ils ont des génomes bien plus grands que les nôtres, et pour vous montrer qu'on connaît très très peu, en fait, nous on est une petite branche ici dans les animaux. On est un petit peu plus familier avec les plantes qui sont une seule branche ici dans cet arbre. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la diversité des organismes. Et dans ce plancton, on retrouve toutes ces branches. Et surtout, ces branches vertes là que vous voyez, c'est le phytoplancton. Donc le phytoplancton aussi est très divers, c'est des microalgues qui peuvent avoir évolué depuis des centaines de millions d'années. Donc c'est pour vous montrer aussi peut-être la vue biaisée qu'on a sur Terre, et peut-être aussi dans les manuels scolaires, on apprend beaucoup, je trouve, plantes, animaux, mais c'est vrai qu'il y a toute une partie de la diversité qui est, à mon sens, sous-estimée. Donc c'est un phytoplancton, c'est actuellement, on peut le voir de satellite. Hein, ici, c'est une animation qu'on voit sur à peu près un an, et on voit que c'est très dynamique. Hein. Ça, donc on peut observer la chlorophylle par l'espace, et on voit, donc plus c'est bleu, moins il y a de phytoplancton, et plus c'est rouge, plus il y en a. Donc on voit qu'il y a des grandes zones très très pauvres en fait en plancton, puisqu'il manque de nutriments. Ces nutriments qui sont beaucoup plus abondants sur les côtes, c'est pour ça qu'on voit ici, il y a beaucoup plus de microalgues, hein, de phytoplancton au niveau des côtes, car il y a les nutriments apportés surtout par les rivières. On voit ici que c'est très dynamique aussi, hein. C'est des organismes qui se divisent rapidement. Donc je vous ai dit, le plancton c'est la base de la chaîne alimentaire, hein. C'est les producteurs primaires qui, voilà, pas de plancton, pas de vie marine, pour vraiment faire court, qui, grâce justement à cette photosynthèse qui va fournir du sucre et de l'énergie. Je vous l'ai dit, la photosynthèse permet la production d'oxygène et la captation du CO2, et forcément, à l'équilibre, à l'échelle planétaire, ça va jouer un rôle sur l'équilibre du climat, on va voir tout à l'heure. Je vous ai dit à peu près une respiration sur deux, c'est l'oxygène qui provient du plancton. Le reste par les forêts, les arbres, etc.
Et puis, c'est un monde très dynamique, hein, une régénération. Il faut imaginer des forêts qui poussent sur une semaine, qui disparaissent, qui repoussent. Donc, c'est des organismes très dynamiques, portés par les courants, ce qui explique aussi la difficulté de les étudier. Ce n'est pas une plante qui va rester dans un habitat bien particulier. C'est sans arrêt en train de bouger, suivant les courants et les conditions. Oops. Alors, c'est un peuple invisible, microscopique, mais architecte. On voit ici les différentes formes que le plancton peut faire. Ici, vous voyez différentes microalgues. Et surtout, on voit que certaines microalgues sont capables de fabriquer des squelettes externes ou des boucliers. On peut trouver différents noms à ces structures qui sont assez incroyables. Alors, c'est des structures qui peuvent fabriquer à base de cellulose, mais aussi c'est des structures minérales, comme ici on voit, c'est en carbonate de calcium. Hein, comme les coraux, hein, c'est de la pierre. Donc, c'est des organismes qui font à peu près 5 à 10 microns et qui sont capables de faire ces structures-là. Il y a des structures aussi en silice, on appelle ça aussi, il y a les diatomées ou les radiolaires, qui sont capables de fabriquer du verre à la température de l'eau de mer. Donc, ça, c'est aussi très intéressant. Et puis, voilà, d'autres formes incroyables dont on n'a aucune idée de la fonction. Est-ce que c'est pour la flottaison, pour éviter de couler, est-ce que c'est pour se protéger des prédateurs? Il y a beaucoup de théories, d'hypothèses, mais pour l'instant, on n'a aucune réponse. Et on voit qu'il n'y a pas une forme homogène ou une forme vraiment qui est partagée par tous les organismes. Ils sont vraiment très, très différents. Donc voilà, il y a d'autres exemples ici. C'est des photos en microscopie électronique qu'on a colorées après. Mais on voit encore la diversité de ce plancton. En termes de structure. Donc ça, c'est vachement important parce qu'en fait, là, ça, c'est mes chouchous, mes préférés, c'est des radiolaires. Donc c'est à peu près 100 à 200, 300 microns qui sont capables voilà, de souffler du verre à la température de l'eau de mer et puis avec des formes très différentes. Donc là, on voit vraiment l'extérieur du plancton. Hein. On ne rentre pas encore à l'intérieur, mais on a des microscopes qui sont capables, voilà, à très haute résolution, de pouvoir voir la forme de ces planctons. Alors, c'est très important parce que je vous ai dit, pour le climat, ça séquestre le CO2. Donc, séquestrer du CO2, c'est-à-dire piéger ce CO2 qui ne peut plus être remobilisé, c'est-à-dire qui ne peut plus être réinjecté dans l'atmosphère. Donc, ça, c'est important puisque ce qu'on appelle la pompe à carbone, ce plancton est essentiel pour cette pompe à carbone où à peu près tous les ans, 0,2 gigatonnes de carbone est séquestré au fond des océans. C'est-à-dire ces organismes, grâce à la photosynthèse, vont accumuler du carbone, hein, ils vont piéger le CO2. Et puis le CO2, si et forcément ils sont mangés, le CO2 il peut être réinjecté, mais il y a une partie de ce plancton qui va échapper, si vous voulez, à cette dégradation, cette remise en circulation du CO2, et va tomber au fond des océans et va piéger le CO2. Et en fait, c'est ça, c'est l'essence, le pétrole, c'est ça, hein, c'est tous ces organismes, toute cette matière organique qui est tombée au fond des océans sur des millions d'années et qui ont permis de fabriquer ces réserves de pétrole. Par contre, avec voilà, toutes les voitures et tous les transports, on réinjecte ce CO2 dans l'atmosphère de manière d'une quantité trop importante. Donc là, par exemple, c'est à peu près 15 à 20% des fonds marins. On peut avoir ce tapis comme ça de petites coquilles qui sont fabriquées. Alors, ils sont morts, hein, et effectivement, la cellule est morte, est dégradée, mais ce plancton peut sédimenter et former ces tapis. C'est des petites structures aussi qui peuvent faire des grandes structures. Sur des millions d'années, ici, on voit une petite algue qui fabrique un squelette en pierre, et sur des millions d'années, ça sédimente, et ça peut former ces structures, les falaises d'Étretat, qu'on connaît bien. Donc voilà, pour vous montrer un peu l'impact de ces organismes microscopiques, mais avec un impact planétaire assez important. Alors, pour rajouter encore de la complexité sur ce plancton, c'est des organismes qui sont capables de changer de forme, suivant une condition, suivant leur stade de vie. Et ça rend encore plus compliqué l'étude, puisque jusqu'à avant l'ADN, en fait, on classait et puis on identifiait les organismes du plancton grâce à leur morphologie. S'ils avaient des critères morphologiques bien particuliers, on les classait, on les nommait. Et juste pour vous montrer donc, cet exemple, donc ça, c'est une microalgue pendant la nuit. Et pendant le jour, il est capable de former ses doigts
Et en fait, dans ses doigts, ce qui est assez incroyable, il va mettre ses chloroplastes, donc ces petites machineries là qui font la photosynthèse, pour optimiser la production d'énergie. Et en fait, historiquement, les scientifiques ont décrit deux espèces, puisqu'effectivement, elles sont complètement dissemblables, mais pourtant, c'est la même espèce qui, jour-nuit, change de forme. On a un autre exemple aussi qui est assez connu dans le plancton. C'est des organismes qui sont capables de faire des cystes, des formes de résistance ou de dormance, qui sont capables de passer de cette forme-là à cette forme-là, une espèce de graine qui va tomber au fond des océans. Et c'est pareil, il y a des organismes qui peuvent, entre guillemets, survivre des centaines d'années. Et après, certains scientifiques, apprentis sorciers, sont capables de les ressusciter après plus de 150 ans. Donc ça, dans l'expédition Trek, d'ailleurs, il y a une équipe qui s'occupe de ça. Et sur des centaines d'années, des organismes peuvent revivre après cette forme de dormance. On a aussi un phénomène très répandu dans le plancton, c'est les colonies, des organismes qui s'associent entre eux. Donc on voit ici, par exemple, une microalgue qui fait à peu près 5 microns, mais qui va s'associer avec ses copains et faire une grande structure qu'on appelle une colonie ici. Par exemple, ça, c'est une algue qu'on étudie au laboratoire. Et sur les côtes, ça peut avoir un impact non négligeable, les efflorescences sur les plages. Alors, c'est aussi un peuple social, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en continuant l'interaction, on sait qu'aucun être vivant n'est indépendant. On dépend tous d'autres organismes. Notre microbiome, je crois, beaucoup plus de bactéries que de cellules humaines. Dans l'océan, c'est pareil, hein, c'est des organismes unicellulaires, mais qui vivent avec d'autres organismes, et qui s'échangent des vitamines, des sucres, etc. Donc il y a beaucoup de symbiose dans le plancton, et c'est ce qu'on étudie au laboratoire dans l'équipe. On voit ici quelques exemples. Donc on voit une grande cellule avec des centaines de milliers de petites algues ici associées, un petit peu comme les coraux. On reviendra plus tard sur ces phénomènes de symbiose. Par exemple, ici, un organisme avec des petites cellules jaunes là à l'intérieur qui sont deux organismes. Donc il y a beaucoup d'organismes qui vivent dans d'autres organismes. Et en fait, on s'aperçoit, dans l'évolution, c'est ce qui s'est passé. Hein, le chloroplaste, la mitochondrie, c'est issu de ces phénomènes de symbiose. Et un organisme, avec le temps, s'est transformé en petite structure, en organite de la cellule. Des interactions sociales moins sympas, le parasitisme. Il y a énormément de parasites aussi dans le plancton, dont on voit ici un exemple. Souvent, c'est des petits parasites de 2-3 microns qui sont obligés d'infecter une autre cellule pour survivre. Donc on voit ici, on a étudié ça aussi au laboratoire avec la station biologique de Roscoff, qui sont capables de rentrer dans une grande cellule, une microalgue. On voit le petit point vert, c'est le parasite. Et puis, il commence à se développer. On voit le vert là, donc ça veut dire qu'il commence à se diviser à l'intérieur. Il va grignoter et voler tous les métabolites, comme les sucres, l'énergie nécessaire pour se développer. Là, on voit qu'il occupe toute la cellule, qui meurt, et puis après, tout le parasite se propage comme ça par division. Donc ça, c'est aussi une stratégie très répandue dans le plancton. Et puis, on a parlé des virus, qui sont extrêmement nombreux, hein, plusieurs milliards par litre de virus, par litre d'eau de mer, qui sont là avec un rôle très très important et particulièrement qui vont attaquer des microalgues et surtout des microalgues parfois qui peuvent produire des toxines. Vous avez entendu parler, parfois on ne peut pas consommer certains coquillages, on peut même parfois ne pas se baigner puisqu'il y a certaines microalgues qui sont capables de fabriquer des toxines et des microalgues qui peuvent justement proliférer énormément et ces virus permettent de tuer ces populations. Donc on voit bien le rôle sur l'équilibre des océans. Alors juste un petit mot avant de parler de l'expédition Trek. Donc 150 ans après le Challenger, on a eu l'expédition Tara Océan. Donc c'était aussi sur un voilier ici de 36 mètres. Qui avait été construit par Jean-Louis Etienne à l'époque, il y a à peu près 40 ans déjà. Et en fait, c'était l'avènement du séquençage moléculaire avec l'ADN, où chaque organisme a un barcode, si vous voulez, dans,
dans ces gènes, et on peut les scanner, on peut savoir tout de suite l'identité. Je vous ai dit avant qu'on pouvait reconnaître un organisme par ses structures morphologiques, mais de manière moins ambiguë, on peut regarder aussi son ADN. Et donc c'est ce que Tara Océan a fait, a cartographié la diversité du plancton dans tous les océans, et notamment dans les océans ouverts, hein, ici on voit au milieu du Pacifique, grâce à ces petits barcodes ici. Donc c'était énormément d'échantillons, hein, c'était en 2009 jusqu'à 2013, je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, c'était aussi, après le Challenger, un effort planétaire, hein, avec multi-instituts, dont le CNRS, le CEA, l'IMBL, etc., qui a permis voilà, de cartographier à l'échelle planétaire toute cette diversité des virus jusqu'aux animaux. Alors, venons-en maintenant, puisque vous en savez plus sur le plancton, à l'expédition de Trek, qui n'est pas forcément focalisée sur le plancton. Hein. On n'aura pas le temps de passer en revue toute cette expédition qui, vous allez le voir, recouvre énormément de disciplines, énormément de questions scientifiques. Mais la particularité de cette expédition Trek, c'est sur les côtes. C'est vraiment sur les côtes européennes, puisqu'il y a un enjeu majeur. On sait qu'à peu près 40% de la population européenne vit sur les côtes, qui apporte des services inestimables, hein, au niveau économie, au niveau tourisme. Mais pourtant, on subit l'impact des activités humaines. Donc l'objectif majeur de Trek, c'était de comprendre comment effectivement ces organismes réagissent à ces changements et notamment à l'impact de l'activité humaine. Et pas forcément que sur le plancton, je disais, vraiment sur cette continuité terre-mer. En fait, cette interface qui est très très importante, terre-mer, qui a été, vous allez le voir, étudiée dans cette expédition. Donc c'est une expédition multi-institut, mais qui a été menée par le laboratoire européen de biologie moléculaire, l'IMBL, dont il y a un institut ici, mais la maison mère est à Heidelberg en Allemagne. Donc l'expédition Trek, c'est vraiment l'étude des écosystèmes côtiers. Tara, c'était vraiment des écosystèmes pélagiques, hein, au large. Ici, on est vraiment au niveau des côtes, et principalement pour essayer de comprendre l'interaction organisme-environnement. Donc comment ces organismes réagissent au niveau des côtes avec toutes ces influences, la pluie, les marées, les rivières, les fleuves, et puis vous allez voir aussi les pollutions causées par l'activité humaine. Trek, c'est un échantillonnage global et standardisé le long des côtes européennes. Donc il y a à peu près un échantillonnage sur 22 pays, et puis des points d'échantillonnage sur des gradients de température, des gradients de salinité, des gradients de pollution, de métaux, etc., pour essayer de comprendre, comparer la diversité et l'activité de ces organismes dans ces différentes conditions. Alors, je vous le disais, Trek, c'est une machinerie assez incroyable. Hein. Ça a été piloté par l'IMBL, mais il y a énormément de partenaires internationaux qui participent, à peu près 90 instituts sur 30 pays, dont le CNRS, dont le CEA et l'Université de Grenoble. Donc vous imaginez la logistique un petit peu derrière et donc des équipes incroyables à l'IMBL pour justement mener à bien cette collaboration. Et puis c'est aussi, je vous ai dit, une complexité en termes de discipline. C'est vraiment... C'est pour répondre à des questions scientifiques dans différentes disciplines, par des études de biologie moléculaire, on a des spécialistes en chimie, écologie terrestre et marine, sur l'évolution, les géosciences. Donc il y a eu vraiment un effort multidisciplinaire avec énormément d'instruments dernier cri, hein, de pointe, sur à la fois des capteurs pour mesurer la température, on va le voir, les pesticides, etc., mais aussi pour enregistrer le son, la pollution sonore. Et puis aussi des instruments que vous allez voir embarqués de pointe en imagerie et en biologie moléculaire. Donc il y a à peu près, sur Terre en tout cas, il y a eu à peu près 100 sites d'échantillonnage, ici représentés par les cercles jaunes. Et vous voyez, différentes zones ont été ciblées. C'est-à-dire qu'on a ciblé des zones naturelles, peut-être sans impact, ou en tout cas sans impact majeur, des activités humaines, des zones agricoles, les villes, les rivières, les zones touristiques et les ports. Donc voilà, les sites d'échantillonnage ont été choisis un petit peu en fonction de tous ces paramètres pour essayer de comparer ces différentes conditions. Et notamment, à chaque zone d'échantillonnage, il n'y a pas que les organismes
qu'on a collectés, mais aussi énormément pour mesurer la pollution chimique. Donc tous les pesticides, les métaux, les antibiotiques qu'on relargue et tous les produits pharmaceutiques, et puis les polluants éternels que vous avez entendu parler, les PFAS, et puis aussi des mesures de pollution sonore qui aussi augmentent, hein, c'est pas connu aussi encore, mais l'activité humaine, c'est aussi les prospections au niveau des sédiments, et puis aussi les moteurs qui font énormément de bruit. On sait que les organismes communiquent avec le son. Donc voilà, les pollutions chimiques et sonores ont été étudiées durant cette expédition. Alors, ce qui a été incroyable sur l'expédition Trek, c'est ces laboratoires mobiles. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'étudier les organismes dans leur environnement. Parfois, les scientifiques collectent les organismes et les étudient au laboratoire. Sauf que c'est des conditions artificielles, hein, souvent sans la complexité de tout l'environnement. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'étudier ces organismes dans leur environnement pour comprendre comment ils réagissent aux conditions. Et donc, on est obligé de passer par des laboratoires mobiles que vous voyez ici, alors de différentes sortes, des petits trucks des plus grands, mais surtout celui-là dont on va s'attarder tout à l'heure, qui a été vraiment une réalisation assez unique. Donc on n'est pas dans ces pas sorciers avec Jeannie, mais presque. À l'intérieur, on a des instruments de pointe dont on verra qui sont essentiels pour étudier les organismes. Donc avec ces laboratoires mobiles, hein, qui vont sur différents sites, etc., on peut collecter différents échantillons de sol, de sédiments, des aérosols aussi, je n'ai pas le temps d'en parler malheureusement aujourd'hui, mais on a aussi collecté tout ce qui est transporté par le vent, y compris des organismes, et la bioacoustique. Et puis le bateau Tara a aussi participé grandement à l'expédition, notamment sur la collecte de plancton sur toutes les côtes européennes, et aussi a fait des gradients, c'est-à-dire a échantillonné dans une rivière, à l'embouchure, jusqu'à la mer, donc toujours ces gradients de salinité et de potentiels polluants, etc., pour cartographier aussi la biodiversité du plancton. Donc vous voyez déjà différentes disciplines, différents moyens de collecte, différents laboratoires, différentes équipes, donc une complexité, une logistique assez incroyable. Alors voilà, sur une diapositive, un petit peu schématiquement, ce qui se faisait sur chaque site d'échantillonnage. Des équipes qui échantillonnent le sol, les sédiments, les eaux peu profondes, et puis on a dit le Tara qui va échantillonner le plancton aussi. Donc c'est à peu près 200 protocoles qui doivent s'imbriquer, se synchroniser entre eux, puisque l'idée, par exemple, c'est d'étudier au même moment des organismes qui vont être au niveau des côtes et un peu plus au large. Donc voilà, le déploiement de différents laboratoires, la collecte d'organismes, mais comme on a dit, des données physico-chimiques, température, salinité, et puis aussi tous les polluants, les métaux dont on a parlé. Donc c'est vraiment la particularité de Trek, c'est vraiment d'étudier les organismes sur ce transect terre-mer. Alors voilà quelques images un petit peu des collectes. Donc c'est Trek, ça a duré presque 2 ans, ça s'est terminé cet été. Donc on voit ici les équipes au niveau du sol. Là, c'est les sédiments, et puis après, le plancton. Donc, Tara, maintenant, est très habitué avec plusieurs expéditions. Il y a eu Tara Océan, mais il y a eu beaucoup plus d'expéditions après. Donc, au niveau protocole et échantillonnage, ils sont très, très rodés. Donc, voilà, on voit la synchronisation d'un échantillonnage côtier avec un échantillonnage plus au large. D'autres images aussi, avec des plongeurs qui vont collecter des organismes particuliers dans l'océan. Avec ici, on voit par exemple un hydrophone, un micro qui va enregistrer la pollution sonore, mais aussi l'émission des bruits de l'activité biologique, hein, les poissons et d'autres organismes, pour encore avoir une métrique sur l'activité, la diversité des organismes. Alors, on a eu la chance, nous, l'équipe, ici au CEA de Grenoble, de participer à cette expédition. Alors, on n'a pas été sur tous les sites, on n'a pas échantillonné le sol et tout ça, c'est impossible. Mais on a particulièrement échantillonné ce que je vous ai un petit peu mentionné tout à l'heure, les photosymbioses. Donc, c'est symbiose entre une cellule et une autre, entre un organisme et un organisme photosynthétique. Donc, voilà, l'équipe, ça, c'était au départ
de l'expédition à Lorient, c'était en mars-avril 2023, l'année dernière. Et puis aussi, on voit le camion qui est déployé. Donc ça, on a pu participer à cette expédition hein, grâce à des financements d'une fondation aux États-Unis et à un programme européen BioOcean 5D. Donc je vais vous brièvement, avec le temps qui me reste, expliquer ce qu'on a fait un petit peu. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'on a fait durant cette expédition. Donc on s'est relayé et on a principalement travaillé dans ce gros camion-là. Donc j'appelle ça le super laboratoire mobile. Je n'ai pas trouvé la traduction la plus juste en français. Donc c'est assez incroyable, ça a été fabriqué pour l'expédition, mais ça va être maintenant utile pour d'autres expéditions et de campagnes de collecte. Vous voyez ici, donc c'est un camion qui peut transporter ce laboratoire, et puis après, hop, ce laboratoire est posé sur un site particulier, peut rester plusieurs semaines. Et la particularité, c'est qu'il a des espèces d'ailes, ici, là, qui se déploie et ce qui permet d'augmenter énormément la surface du laboratoire à l'intérieur. Donc on voit ici, en plus ce qui est incroyable, c'est qu'on peut maintenir les instruments en place, hein, donc il faut bien les sécuriser, mais on n'est pas obligé à chaque fois de déménager et de faire les cartons à chaque fois. On a juste à arriver sur le site, déployer les ailes, et puis on a tous les instruments de pointe. Donc voilà, il y avait vraiment une équipe dédiée hein, de l'IMBL qui manageait ce camion, qui aidait les utilisateurs. Donc il y avait des instruments de pointe qui demandent une expertise vraiment haute. Et notamment, nous, on a utilisé beaucoup cet appareil-là qui permet de congeler à haute pression. Hein. C'est un appareil clé qui permet de faire la microscopie et de rentrer à l'intérieur des cellules, ce que je vais vous faire voir après en microscopie électronique. Donc nous, on s'intéresse, je vous disais, aux symbioses. Et notamment, je vous ai montré ces microalgues, hein, ce phytoplancton qui peut vivre à l'intérieur d'autres organismes en symbiose, c'est-à-dire qu'ici, une cellule hôte va capturer une algue dans l'environnement et va l'intérioriser. On a aussi d'autres organismes qui ont des stratégies assez incroyables, qui sont capables de... si vous voulez, incorporer une algue, mais garder que le chloroplaste, cette structure qui fait la photosynthèse. Donc ça, c'est des stratégies de photosymbiose qu'on étudie au laboratoire, et notamment avec des approches de biologie moléculaire et aussi de microscopie électronique, pour vraiment comprendre en trois dimensions comment ces organismes interagissent entre eux. Je pense que vous êtes plus familier avec d'autres photosymbioses assez connues sur Terre, hein, qui ont été étudiées depuis très longtemps, les lichens. C'est aussi une photosymbiose entre un champignon et une algue. Voilà, qui sont, je pense que les photosymbioses, ça pousse vraiment partout, surtout sur les rochers et les arbres. Vous êtes aussi peut-être familier avec ces photosymbioses dans les récifs coralliens. Tous les invertébrés, pratiquement, les coraux, les éponges, les bénitiers, dans leur tissu, ont des microalgues, ont du phytoplancton qui leur fournit de l'énergie. Donc c'est des symbioses essentielles qui permettent de soutenir tout cet écosystème, toute cette biodiversité très riche dans les récifs coralliens. Et puis aussi dans le plancton, ce qu'on étudie ici au laboratoire. Alors on pense que c'est un mutualisme, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice réciproque. L'algue, grâce à la photosynthèse, va produire de l'énergie sous forme de sucre et de lipides qui va être transférée à la cellule hôte. Et l'hôte, en contrepartie, va protéger l'organisme, l'algue, de prédateurs, de pathogènes, et lui fournir beaucoup de nutriments. Je mets un point d'interrogation, puisque on en débat toujours hein, dans la communauté et même dans l'équipe. C'est pas si évident de comprendre si c'est vraiment du mutualisme ou pas. Voilà, quelques images de ces photosymbioses dans le plancton. Alors, encore une fois, des organismes très différents au niveau des formes. Donc beaucoup d'organismes sont capables, comme on a vu tout à l'heure, de fabriquer des squelettes en sulfate de strontium, en silice, en carbonate de calcium. Et puis on voit par exemple ici cet organisme avec beaucoup de... tous les points jaunes, là c'est des microalgues à l'intérieur. Là on voit toutes les microalgues aussi dans une grande cellule, etc. Donc une diversité à la fois d'algues et puis aussi d'hôtes. Alors, voilà,
sur Trek, pour revenir à Trek, ce qu'on fait sur chaque site là, représenté avec ce point rouge, donc vous voyez qu'on n'a pas été sur des centaines de sites, mais on a collecté quand même beaucoup d'échantillons. On va collecter ces photosymbioses soit sur la zone intertidale ou soit dans le plancton avec des bateaux Ultara, et puis on revient dans ce laboratoire mobile. Et puis donc je ne vais pas passer en revue tout ce qu'on fait, mais voilà, on collecte les symbioses pour identifier les partenaires, étudier l'expression des gènes. On fait beaucoup d'imagerie subcellulaire, donc la microscopie électronique dont je vais revenir tout à l'heure. Et puis aussi, on peut regarder maintenant les métaux grâce au synchrotron à l'ESRF ici à Grenoble. Donc on essaye, comme le Challenger, le TARA, c'est des expéditions, on n'a pas le temps d'analyser. On collecte énormément d'échantillons dans des zones particulières, etc. Mais il n'y a pas de... Maintenant, c'est le temps d'analyse qui, parfois, malheureusement, est assez long. Et donc voilà, on a beaucoup d'échantillons maintenant. Et puis aussi, on essaye de mettre en culture la microalgue. Donc au laboratoire, on a aussi beaucoup de microalgues qui sont capables d'être en symbiose, mais qu'on arrive à cultiver seuls, sans leur hôte, dans des conditions de culture standardisées. Voilà, quelques photos un petit peu de l'expédition. Donc, je vous disais, des collègues de symbiose sur l'estran, là, sur la zone intertidale, à marée basse, dans les sédiments, dans le plancton. Et puis après, on vient ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent travailler à l'intérieur, à peu près 10 à 15 personnes. Donc pour après, surtout utiliser cet appareil dont je vous parlais tout à l'heure pour congeler les échantillons de manière voilà, précise pour après faire la microscopie électronique de pointe. Ah oui, donc voilà, il y a 5 sites en 2023, Roscoff, etc., Tallinn, Kristineberg, Bilbao, Porto, et puis en 2024, c'était plutôt la Méditerranée avec Barcelone, Naples et puis Athènes. Donc à chaque fois, avec l'équipe, on roulait, on tournait, il y avait deux, trois membres de l'équipe pour aller collecter sur ces sites. Encore un catalogue un petit peu des organismes qu'on a collectés. Donc les lichens, des vers qui aussi contiennent des microalgues, etc. Donc juste pour vous montrer un petit peu la diversité des organismes, ça c'est une limace de mer par exemple qui va manger des algues, des grandes algues, et puis il va voler les chloroplastes. Il va digérer tout le reste, mais garder les chloroplastes qui va se mettre sur la peau pour produire de l'énergie grâce au soleil. Alors comment on échantillonne le plancton? Ça n'a pas trop changé depuis le Challenger. C'est avec des filets à plancton, hein, comme des filets à papillons, avec ici, il y a des petits trous, si vous voulez, et ça permet de concentrer le plancton, donc on filtre l'eau de mer et puis on retient les organismes. Alain Bombard, par exemple, a beaucoup utilisé ses filets pour se nourrir lors de sa dérive dans l'Atlantique. Et puis, suivant les zones, eh bien, en 5 minutes de trait de filet, on peut récolter énormément d'échantillons. Et après, au laboratoire, on isole ces organismes qui ne peuvent pas pousser, malheureusement, en laboratoire. Donc voilà, on arrive à faire une belle image de cet organisme. Et pourquoi Grenoble? Vous allez me poser la question, pourquoi un biologiste marin? Pourquoi la biologie marine sur Grenoble? C'est qu'on a un écosystème incroyable en termes de technologie et surtout d'imagerie qu'on n'a pas dans les stations marines ou même en France. Hein, il y a une concentration ici vraiment incroyable en microscope avec une expertise de haut vol sur ces instruments qui sont quand même très compliqués à opérer. Donc nous, on veut vraiment regarder à l'intérieur des cellules, comment ça se passe, comment une microalgue s'organise quand elle est à l'intérieur d'un hôte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, on peut regarder le chloroplaste, comment il change et qu'est-ce que ça peut nous dire sur son activité physiologique et métabolique. Donc c'est une manière de comprendre comment un organisme réagit à son environnement ou ici réagit à l'intérieur d'une cellule hôte. Donc vous voyez ici un peu les collaborateurs avec qui on travaille, qui sont vraiment experts à la fois en préparation d'échantillons, mais aussi en acquisition d'images. Et donc ça, c'est vraiment essentiel pour nos travaux. Donc voilà, je vous montrais juste un exemple, une symbiose chez des organismes qu'on appelle les acanthères. Donc en fait, on utilise beaucoup de microscopie électronique 3D. On appelle ça par exemple des FIPSEM, c'est-à-dire qu'on arrive à faire une image
Et on coupe l'organisme qui est inclus dans de la résine, on fait une image, on coupe, on fait une image, on coupe. Donc là, vous allez voir, par exemple, une vidéo de cet organisme qui fait à peu près 100 microns, et là, on voit des algues ici à l'intérieur. Donc on a accès vraiment à l'intérieur de la cellule, on peut rentrer à l'intérieur de la cellule, et ça, la 3 dimensions est essentielle. En 2D, on a du mal à comprendre effectivement comment est organisée cette interaction. Donc je vous avoue que nous aussi, on ne comprend pas grand-chose à ces images, à part effectivement ces algues ici, dont on voit par exemple les chloroplastes ici, on voit le noyau, etc. Et après, on a tout un travail d'analyse d'image pour essayer de reconstruire en 3D. Par exemple ici, on voit le squelette de l'hôte, et puis ici, l'IA dans l'équipe a reconstruit en 3D ces symbiontes, ces algues symbiotiques, dont on voit ici les chloroplastes. Et donc voilà, après on extrait des surfaces, des volumes, et on essaye de faire le lien avec la physiologie et le métabolisme. Donc ça c'est une vue d'ensemble, et après on arrive à rentrer à l'intérieur de cette algue en symbiose pour dévoiler beaucoup d'organelles de complexité, comme la mitochondrie, l'appareil respiratoire, le chloroplaste, les réserves de sucre, etc. Et comme je vous disais, c'est une manière de comprendre comment l'organisme réagit à son environnement. Donc on a collecté durant TREC beaucoup d'échantillons de symbiose. On n'a pas analysé encore grand-chose. Comme je vous dis, c'est des méthodes très très longues, surtout en microscopie, le temps d'analyse, le temps d'acquisition de l'image aussi. Mais on est en train de fabriquer une biobanque aussi disponible pour la communauté pour vraiment explorer ces symbioses à l'échelle subcellulaire et créer cet atlas pour la communauté. Donc, une manière aussi d'utiliser ces images, c'est aussi de partager auprès du grand public. Ça a toujours été frustrant, effectivement, d'aller dans les écoles ou auprès du grand public avec des microscopes, puisque parfois le plancton est trop petit. C'est des petites boules qui nagent. Ça peut rester très, très abstrait. Donc, grâce à cette microscopie, on peut avoir ces modèles 3D qu'on peut après mettre en évidence dans des applications de réalité virtuelle, comme ici PlanctoQuest qu'on a développé l'année dernière. Malheureusement, j'aurais voulu vous faire une démonstration aujourd'hui. Pour des raisons techniques, ça ne fonctionne pas, malheureusement. Mais je vous invite demain à venir, on sera sur le parvis des sciences, ici, juste à côté, où je peux vous montrer ici, par exemple, et après je peux vous montrer une vidéo, je vais faire démarrer une vidéo, peut-être, juste pour vous donner un aperçu de l'application. Donc, on était la semaine dernière à Cosmocité, grâce à Territoire des Sciences, on a justement partagé auprès du grand public. Et donc voilà, ce week-end, on est sur le parvis des sciences, et puis on sera au Vendée Globe aussi en novembre. Alors, je vous montre juste une vidéo, je ne sais pas si quelle manip je dois faire pour projeter la vidéo. Voilà, c'est bon. Et pour la jouer après. Voilà. Donc en fait, c'est juste un casque de réalité virtuelle, c'est un petit ordinateur, il n'y a pas besoin de fil, qui va reconnaître juste les mains. Et on va rentrer dans le plancton et attraper le plancton avec les mains. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de télécommande ou de manette, etc. Je vais avancer un peu. Donc c'est une application gratuite. Si vous avez le casque, vous pouvez télécharger l'application sur le store. Et en remettant le bras le long de votre... Je vais couper le son. Voilà. Par exemple, là, on peut capturer un plancton et puis on a une montre virtuelle, par exemple sur la gauche, avec différents outils pour comprendre un petit peu mieux et rentrer à l'intérieur de sa cellule. Donc par exemple, ici, on peut prendre un couteau. Et puis on va disséquer, on va couper la cellule pour accéder à l'intérieur. Et c'est ça a été créé, ces modèles, grâce à la microscopie électronique qu'on fait ici à Grenoble. Et après, on peut jouer avec à l'intérieur de ces organismes, on peut prendre le chloroplaste, etc. Il y a d'autres activités où on peut nourrir le plancton. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le phytoplancton se nourrit effectivement entre guillemets de soleil, mais a besoin aussi de beaucoup de nutriments pour pouvoir pousser.
Donc j'aurais voulu vous faire une démonstration aujourd'hui, mais ce n'est pas possible, mais tant pis. Donc là, on voit, par exemple, on peut donner à manger au plancton, voilà, différents, le phosphore, le fer, et puis après, ils se divisent. Hein, c'est ce qui se passe dans l'océan, une fois que les conditions sont bonnes, tous les jours, tous les deux jours, le plancton se clone. Voilà, donc là, on voit à gauche le chloroplaste, par exemple, en vert. Donc c'est cette machine à photosynthèse qui va fournir du sucre, capter du CO2, dégager de l'oxygène. Donc on voit les échanges gazeux. Et en fait, il faut vraiment imaginer, on pourrait définir la salle entière comme la salle immersive, et on peut vraiment évoluer dans l'océan pour capturer le plancton et interagir avec lui. Et on voit à droite la mitochondrie, donc l'appareil respiratoire, qui va lui faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il va consommer de l'oxygène. Hein. Nous, on respire, on consomme de l'oxygène, et il relargue du dioxyde de carbone. Mais il fournit de l'énergie pour la cellule. Donc on peut faire mode jour, mode nuit. Alors mode nuit, il n'y a plus de photosynthèse, etc. Donc voilà, ça c'est une partie de l'application. On a développé une autre partie où là on a beaucoup plus de diversité de plancton pour en savoir plus avec des quiz, etc. Donc voilà, c'est basé sur la réalité virtuelle et ça sera accessible bientôt, cette deuxième partie sur le store prochainement. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce monde mystérieux du plancton. Et je pense que s'il y a des questions, je remercie encore l'équipe Giant d'avoir organisé cet événement. Et puis, je suis prêt à répondre à toutes questions. Sûrement, je n'aurai pas la réponse à toutes les questions, ça c'est sûr. Mais voilà, merci. Merci beaucoup, Johan. Bravo. Donc on a un petit peu, on a pris un petit peu plus de temps que d'habitude sur notre programme, mais c'était tellement une belle présentation. Et voilà, pour cette fête de la science spéciale sur les océans, je pense qu'on a eu une belle démonstration. Est-ce que vous avez des questions, les lycéens? Pas d'inspiration? Si? Alors on va démarrer ici. Par les questions. Bonjour, merci pour cette merveilleuse visite découverte du monde microscopique des océans. Mardi dernier, à la Casemate, il y avait, dans le cadre de la fête de la science, un café science et citoyen sur l'exploration des abysses et donc du risque d'impact sur le plancton en général et surtout le phytoplancton avec la production importante d'oxygène, etc. Est-ce que vous avez pu mesurer ça dans l'exploration Tara, par exemple, et quel est votre avis sur les risques encourus par une éventuelle exploitation des nodules au fond des océans? Le Tara, c'était vraiment principalement, et surtout mon exposé, c'était principalement sur le plancton de surface. Sur la couche lumineuse, hein, qui peut être jusqu'à 200 mètres de profondeur. Donc le Tara a plutôt cartographié la diversité du plancton, mais on n'a pas étudié l'impact de cette exploitation de nodules ou de minéraux qui sont d'actualité en ce moment. Je n'ai pas la réponse, je ne connais pas l'impact de ces exploitations minières sur le plancton. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore étudié encore. Je pense que même le plancton au niveau des profondeurs, là où il n'y a plus de soleil, il est assez peu connu. C'est beaucoup de bactéries, beaucoup de métabolisme assez particulier. Mais non, on n'a aucune idée sur l'impact de cette exploitation. Là. Une question là-haut. Comment est-ce que vous conservez tous les échantillons que vous avez prélevés? Est-ce que de les ramener en labo, du coup, ça ne va pas les dénaturer? Alors, ça dépend ce qu'on veut faire après. Donc, ce que j'ai dit, on a collecté des échantillons, soit pour faire l'ADN, donc du séquençage génomique, ou soit de la microscopie. Et en général, donc, tout ce qui est ADN, c'est moins 80 degrés, ça ne bouge pas, vous savez, je pense. Et la microscopie électronique, c'est dans l'azote liquide, donc moins 200 degrés. Et ça bouge pas, donc on peut les conserver à long terme. Ouais. Et après, il y a une phase où quand même on prépare certains échantillons pour les mettre en résine dans le plastique à température ambiante, où là c'est aussi très très stable dans le temps. Ouais.
On a une question là-bas. Moi, j'avais une question par rapport à ce chiffre de une respiration sur deux nous vient du plancton. J'en déduis que c'est par rapport à l'oxygène qu'on respire. Mais est-ce que ça inclut aussi l'oxygène que respirent les poissons ? Parce que l'oxygène qu'ils émettent, il est dissous dans l'eau. Et est-ce que cette moitié de l'oxygène, c'est l'oxygène qui quitte l'océan et qui nous atteint, nous, êtres vivants, à la surface de la Terre ? Ou bien est-ce que ça inclut tout l'oxygène qu'il y a déjà dans l'océan et qui alimente les poissons ? Et toute la vie qui respire en fait, dans l'eau ? Ouais, en fait, il faut plutôt l'interpréter sur... sur ce qui s'est passé avant, l'atmosphère avant, il y a 3 milliards d'années, il n'y avait pas du tout d'oxygène, et c'est les premières formes de plancton qui commençaient, avec la photosynthèse, à injecter de l'oxygène. Puis après, les plantes qui aussi ont injecté de l'oxygène. Mais donc maintenant, effectivement, dans l'atmosphère, c'est l'oxygène qui provient, mais plutôt du passé, on va dire, hein, de cet oxygène produit par les organismes photosynthétiques, les plantes et les arbres et le plancton. Mais en fait, actuellement, un plancton qui va produire de l'oxygène, il va aussi consommer de l'oxygène. Donc la balance va être nulle. Donc en fait, on a atteint un équilibre en termes d'oxygène depuis plusieurs centaines de millions d'années, je crois. Et donc tout ça à l'équilibre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais un plancton va aussi émettre de l'oxygène, mais aussi en consommer. Mais quand même, la moitié de l'oxygène à peu près, dans l'atmosphère actuellement, pas en production, hein, mais plutôt sur la résultante de cette évolution, vient du plancton. Ouais. Le phytoplancton, c'est à peu près 1% de la biomasse photosynthétique sur Terre. Donc c'est 1%, mais ça produit pratiquement, et ça capte beaucoup de CO2, 40%, et ça produit beaucoup d'oxygène. Oui, Eric ? Ça va être une question scientifique. Merci, Yoann, pour ton exposé. Est-ce qu'on a une idée actuellement, par exemple, avec le réchauffement climatique, la variation de la salinité des océans et des courants, si ça a un impact en fait sur le phytoplancton et si cet impact en fait il va aussi modifier justement la captation du CO2 et le relargage d'oxygène. Alors vous avez vu que c'est assez dur d'étudier le plancton déjà. Puisque c'est tout le temps en mouvement, on ne sait même pas trop, avec l'ADN maintenant on peut savoir qui est où, etc. Donc déjà c'est très dur, et effectivement il y a certaines prédictions, voire aussi des observations au niveau du satellite, que le phytoplancton, la biomasse du phytoplancton dans certaines latitudes tend à diminuer. Une des raisons, je vous ai dit, c'est les nutriments. Le phytoplancton a besoin de soleil, mais c'est assez... c'est assez illimité comme ressource, mais les nutriments sont essentiels. C'est ça qui va aussi déterminer la croissance de ce phytoplancton. Et en fait, avec le réchauffement climatique, les couches de surface vont être plus chaudes et ne vont pas se mélanger avec les couches profondes qui sont froides, qui, eux, apportent les nutriments. Donc, en fait, on va vers une stratification, hein, vraiment une division de la colonne d'eau. Et les planctons vont consommer les nutriments et ça va appauvrir. Donc on va vers on appelle les désertifications des océans, où effectivement il y a la biomasse qui va diminuer, donc forcément moins de CO2 capté. Mais voilà, ça reste encore dur à prouver, c'est des prédictions, et vous avez vu qu'on ne sait même pas en fait comment ils interagissent entre eux, etc. Mais théoriquement, oui, on va vers ça, plus l'acidification, en fait c'est multifactoriel, tout va rentrer dans le... C'est pour ça que c'est dur à prédire, puisque c'est une boule de neige complexe. Allez, une dernière question. Oui. Lorsque la microalgue est emprisonnée dans un micro-organisme, comment se passe la reproduction ? Est-ce que les deux se séparent bien, ou est-ce qu'il faut recapter une algue ? Ça ne serait pas une biosynthèse ? C'est une très bonne question. On ne travaille pas dessus directement au laboratoire, même si c'est assez fascinant. Effectivement, l'hôte, enfin, la grande cellule qui accueille ces algues, doit contrôler la division. Puisque du coup, ça deviendrait presque des cellules cancéreuses. En fait, il faut que l'hôte régule la croissance et la division.
Honnêtement, on ne sait pas trop comment ça se passe. Il doit y avoir des échanges chimiques qui permettent d'inhiber ou en tout cas de ralentir la croissance de l'algue à l'intérieur d'un hôte. Mais oui, c'est une bonne question et assez intrigante. Et une synchronisation aussi. Une fois que l'hôte veut se diviser, souvent il permet de la division des algues, donc une distribution dans l'hôte. Très bien. Je vous propose de remercier à nouveau Johan Dessel pour cet exposé. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence. La vidéo sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine. Prochaine conférence aura lieu le mois prochain également, mais toutes les informations seront également sur notre site Giant. N'oubliez pas donc demain que vous pouvez venir en famille, en solo, entre amis au Parvis des Sciences. Il y aura beaucoup d'animations et puis un quiz avec des lots à gagner quand même, une bonne selfie, un food truck, de quoi passer une très bonne journée. Pour les participants, une petite pause café vous attend au rez-de-chaussée pour continuer la discussion aussi avec notre invité. Merci, bonne journée.